On va faire un petit test. On va faire un petit test. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ouais, si, ça a l'air bien. 1, 2, 1, 2. Ouais, si, ça a l'air bien. 1, 2, 1, 2. Ouais, si, ça a l'air bien. 1, 2, 1, 2. Ouais, si, ça a l'air bien. Je regarde. Le jeu n'a pas l'air trop sombre. Si c'est trop sombre, je remettrai de la couleur. Ouais, donc bah bonjour à tous. Ouais, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc bah bonjour à tous et puis bah bienvenue pour ce live sur Inside. La dernière fois, j'avais fait un live exceptionnel sur Death Coming pour Halloween et aujourd'hui et juste avant, ouais, le jour d'avant, j'avais fait Limbo sur YouTube. Et bah, aujourd'hui, on se fait Inside. C'est parti. Attendez. Je vais... Je regarde au niveau de la luminosité pardon. Plus j'ai un écran sombre sur attendez, je vais faire ça. Je vais mettre comme ça. Ça a l'air bien. Hop. On va baisser. Enfin, on va enlever ça. Le retour. Voilà. Bon, on est parti. Alors. Ce coup-ci, enfin. J'allais dire. Comparé à Limbo, on est aussi un petit garçon, mais. Un peu plus visible. Dans Limbo, c'était. C'était un petit. On voyait pas le petit garçon. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais à ce que j'ai compris, il faut pas se faire voir par les adultes. C'est juste la base que j'ai compris. Hein. Faut pas se faire voir par les adultes. Ouais, c'est bon. Ça a pas l'air de te...
Oula. Le chien m'a senti. J'ai cru que j'allais me le prendre sur la tête. Oh là! Vite! Le chien, il a failli mordre. Enfin, je pense que s'il m'aurait attrapé, il m'aurait plus que mordu. Comment on court plus vite? Ah oui, c'est un petit garçon. Il ne sprinte peut-être pas comme les autres personnages de jeux vidéo. J'entends le camion. Est-ce qu'il m'a vu? C'est bon. Sont sérieux, ils me tirent dessus. Je suis qu'un enfant. On ne tire pas sur les enfants. Je suis mort. Je suis mort. Alors, normalement, il y aura une sorte de. Je crois que j'ai vu jusque-là en fait. Alors, il y a une sorte de. Pas un secret, mais un. Un truc comme ça, en haut. Ce serait des petits collectables. Voilà. Je vous rassure tout de suite, je vais pas prendre les 14. Hein, je doute de trouver les 14. Si j'en ai 5 dans toute la partie, c'est le bout du monde. En fait, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai la manette qui vibre quand le petit il a besoin d'air. Chose que je ne savais pas la première fois que j'ai plongé. Pour ça que je me suis noyé. On est tellement habitué à avoir des barres de vie, des trucs comme ça, que quand on se retrouve avec un jeu qui a aucune interface, on est un peu perdu.
Joli champ de maïs. C'est quoi ça? Des piou-piou? Des petits poussins? Ah ouais, on dirait. Là, dis donc, il y en a partout. C'est quoi ça? Il y en a du bétail mort. Allez les poussins. Ok. Là, je dois activer ça. Et hop, dans la broyeuse. Il y a plus d'entre, on fait pas mal le poussin. Les poussins, c'est des bébés, ils sont tout fragiles. Ouais, je sais pas si. Ouais. Bah, petite anecdote morbide. Je suis mort. Petite anecdote morbide. Dans ma jeunesse, je sais pas comment je vais faire. Je peux m'accrocher? Ah! D'accord. Je crois qu'il faut que je tombe dans. Faut que je fasse une Assassin's Creed. Le saut de la foi. Ah, c'est horrible. On libère les poussins? Non. Ouais, donc, petite anecdote morbide. Dans ma jeunesse. Je ne sais plus quel âge j'avais. D'accord. Ouais, non, mais je viens de comprendre. Malheureusement, j'ai tué un poussin. Un poussin canard. Un caneton. En fait, j'étais. Il y avait une sorte de muret comme ça. Comme ce que vous voyez au fond. Mais en béton. J'avais mis une chaise, j'étais en train de parler avec la voisine, qui était une jeune fille de mon âge, peut-être un peu plus jeune, et bah une fois qu'on avait fini notre discussion, je suis descendu de la chaise et j'ai pas vu, il est passé au même moment et je l'ai écrasé. C'était le caneton de ma tante. Et quand je lui ai annoncé, bon bah forcément, hein, ça lui a pas fait plaisir. Je pense que c'est le.
Le seul animal vivant comme ça que j'ai tué un pas, pas un oh là là. Pas intentionnellement mais que j'ai tué sans bah intentionnel que ce soit intentionnel ou sans faire exprès j'ai pas fait exprès. Mais lâche-moi, dis donc. Non mais dis donc. Ah. Ah ça c'est dégueulasse. Je suis désolé, je voulais pas faire ça. Je lui ai arraché sa queue, c'est dégueulasse. En fait, je voulais m'accrocher à la lampe là. Enfin, ce que je soupçonne d'être une lampe. C'est pas une lampe. Ah, c'est énorme, j'ai l'impression d'être dans. Old World. Comment ça marche? Ok, il fallait être 4. Je contrôle. Je contrôle les zombies en fait. Enfin, je. Non, c'est pas des zombies, c'est quoi? On dirait des mecs. C'est bizarre ça qu'on contrôle des gens. Oh, en même temps c'est le début hein. Allez, c'est le début du jeu. On verra bien c'est quoi l'histoire. Le soleil se lève. Il y aura peut-être un peu moins de brume. C'est quoi ceux là-bas? Des zombies? Enfin des. Ouais, les mecs, ils ont l'air de te. Est-ce que je dois ouvrir? J'ai ouvert quelque chose? Ouais, sûrement. Non. Ah, d'accord. Je n'avais point vu la corde, la chaîne descendre. Hop, on va se balancer. Ah, mon armée? Ah non, c'était des oiseaux. Donc, vu la caisse là-haut, je pense qu'on va devoir la faire descendre.
la descente tombée, échelle, est-ce que je ferai pas ça? Ben voilà. Bon. Oui, je suis mort parce qu'en fait j'ai trop poussé. Ah là là. Voilà. D'accord, je vois le bail. J'ai compris le délire. Je vais mourir deux, trois fois, hein. Je fais toujours comme ça. C'est en mourant qu'on comprend un peu comment faut faire. Sauf dans la vraie vie. Dans la vraie vie, t'as pas 36 000 chances. Attends, il y a quoi pour là-bas? Ok, c'est clairement la suite. Ok, ça c'était le petit passage secret. J'espère que c'est pas trop sombre. Est-ce qu'il y a des zombies? Oui, il y a des zombies. Et ça, c'est quoi? Ouais, j'avais compris. Par contre, j'ai descendu sur le train, j'ai pas fait gaffe. Il y aurait eu un train. Ça aurait été fini pour moi. Alors, petit garçon, où vas-tu? Où allons-nous? C'est ça le mystère. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. En même temps, dans Limbo, c'était pareil. Ça se passait bien au début. Enfin, quoique. Non, c'était un peu plus. Je pense que je suis un peu plus. Je pense que si je calcule, je suis moins mort dans celui-là pour la même durée de vie. Enfin, la même durée de jeu que dans Limbo, je crois.
Ouh. C'est un truc à se faire griller, ça, par les gens d'en bas. Je sais pas pour vous. J'étais un peu aventurier quand j'étais jeune, mais je faisais pas tout ce qu'il fait. C'est quoi tous ces gens là? Ok. Et les gens, ils ont tous l'air de... Ok, j'ai fait n'importe quoi. Ah. Les gens, ils ont... Enfin, après, je ne sais pas si c'est plusieurs personnes ou quoi. Oh! Haïti, vous avez vu? Il aurait peut-être pas dû. On va peut-être déjà voir ce qui se passe avant d'activer quoi que ce soit. Ah oui, d'accord. J'ai compris, hein, l'ascenseur, faut activer la. L'électricité pour pouvoir monter. Mais il y a les Iti qui peuvent nous voir. Ah, le petit, il accélère. J'ai l'impression d'être dans Metal Gear Solid. Premier du nom. Quand il faut aller chercher des grenades au milieu de d'un, comment on appelle ça? Un parking à hélicoptère, un héliport? Oh là, non, 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 rentre. Je suis tombé sur un zombie. Bouge pas. Ah, je devais sauter, d'accord. Tous ceux qui sont dans le carré jaune doivent sauter. Désolé, je suis un peu concentré parce que...
J'ai déjà foiré dans Final Fantasy VII. J'étais pas un bon soldat. Un bon soldat de la Shinra. Pendant le défilé. Ah non, j'aurais dû courir. Je me suis dit peut-être que je vais passer. Ah bah je suis mort. Je me suis dit ça va peut-être passer, mais en fait non. Dès que le chien a fait waf waf, j'aurais dû courir. Non mais le Tchou c'est un... le Tchou c'est un ouf. Attends non mais il court plus vite. Le chien court plus vite que moi quoi. Je vais devoir faire la technique du je saute un petit peu. Mais non mais j'arrive pas. Mais c'est un folon! Ah, moins que. Ah, voilà, fallu le brain. C'est génial le système de contrôle de pensée. D'accord. Pousse la caisse, on ouvre la porte et on continue. Allez, on est parti. En mode pantin. Là, il y a une technique. Là. Technique que j'ai pas compris. Attends, je peux descendre? Non, je peux descendre. Ah! Je peux pas descendre. Comment je peux faire?
Tu vois, je réfléchis sur 30 secondes, j'ai pas vu que je pouvais prendre la caisse là. Non, je peux pas prendre la caisse. Il faut que je tire ça. D'accord, j'ai compris. Wow, c'est un peu comme la réalité virtuelle. Sauf que au lieu d'utiliser de contrôler un personnage virtuel, on contrôle un vrai humain. Ah, un peu comme dans le jeu comme dans le film comment il s'appelle? Comme dans le film, j'ai perdu son nom. C'est un film avec avec Gérard Butler, celui qui joue Léonidas dans 300. Où en fait, il pouvait se faire contrôler par un gamer en fait, dans un jeu, dans une sorte de Call of Duty. Ou bah de fil du futur. Et si il faisait 10 victoires ou un truc comme ça, je crois, parce que c'est il prenait par rapport à des comment on appelle ça, des bannières, enfin pas des bannières, des prisonniers. S'ils avaient 10 victoires, donc 10 top 1 on va dire. Et ben oh, je vais mourir. Ok, il y avait un au fond. Et ben s'ils font 10 top 1, je crois. Comment on monte? Faut choper une caisse, un truc. Il serait libéré en fait. Et dans ce monde-là. Sa femme, je crois que c'est ça, je crois que c'est sa femme, elle est dans un truc pareil, mais sauf qu'elle est elle est dans une sorte de Sims ou du jeu Second Life où les mecs qui contrôlent, bah, tu fais la fête, enfin ton corps est contrôlé pour comme dans les Sims ou Second Life en fait, où tu peux faire la fête, tu bouffes, des relations sexuelles, des trucs comme ça. C'était pas mal bizarre, mais mais bon. On n'a qu'à dire que c'est le futur.
Ah oui, d'accord, j'ai cru que c'était le... J'ai cru que c'était une fenêtre. Ah, j'ai pas pu passer. Il y a une chaîne là. Je peux pas y aller non plus. Il faut que je regarde ce que je peux faire en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas tirer des choses. Ouais, ça aussi c'était pas con. D'accord. En fait, tout ça pour ça. Même pas une boule secrète ou un truc. Enfin, en même temps, la boule secrète, je m'en fous un peu, mais. Alors quand les décors sont magnifiques, même si on beaucoup sont dans le noir et tout ça. Capturé. J'ai pas compris. J'ai activé la mallette, la manette. Mais d'accord. Je viens de capter. Non, l'autre côté, Michel. Petite énigme sympa.
Ouh, j'ai pas vu que c'était ouvert de l'autre côté. C'était juste. Je pense que de l'autre côté il y avait peut-être une boule ou un truc, mais je pouvais pas y aller. Enfin, je pouvais. Ouille, j'aurais pu y aller, mais. Bon, on va redescendre. Hein. Ouais, si y a une... je vais pas lâcher tout de suite, on sait jamais ce qu'il y a en bas. Alors, j'aime bien, franchement, on va dire que j'ai une petite préférence pour Inside que pour Limbo, même si j'ai bien aimé Limbo. Je sais pas, je trouve que le... côté plateforme, il est sympa. J'ai failli me noyer encore une fois. Ne meurs pas, petit homme. Alors, j'aurais eu le brain, mais comment? Peut-être avec l'eau? De quoi? Oh, le chacal, il en veut, hein. Allez, c'est parti. Faut que je cours plus vite que lui. Ah, il viendra pas. Bon, ça se voit que c'est pas les chiens dans ces villes. Ah non, je me suis fait croquer. J'aurais dû attendre qu'ils arrivent de l'autre côté en fait. Enfin, pas croquer, déchiqueter. Allez, une planche. On y retourne. Attendez, je trouve que le son il est un peu. Ce sont des machines en fait. Je crois qu'il me reste une planche.
tu n'es pas confiance. Allez, venez les toutous. Ah, ok. Ils pourront pas passer. Eh ben, ils ont des sacrés chiens. Non, lâchez-moi. Je suis resté dans le noir. Oui, un tour en sous-marin. Oh, le mec, il est deg. Je l'ai carjacké. Ah si, ça passe. Je croyais qu'il y avait une porte ou un truc. Non, faut monter. Non. Ah d'accord. Par contre, aucune idée, donc on va descendre. Le mieux, c'est quand tu sais pas, tu descends. On va aller à gauche. Apparemment, la grosse structure noire, là, je pense que c'est un mur. Là, il y a de la lumière, mais je sais pas si c'est un... Je sais pas c'est quoi. Sous-marin ou un truc. Des spots. Bon, on va descendre. Tel Cousteau. On va s'enfoncer dans les abîmes. Dans les abysses. Tel le film Abyss aussi. Vingt mille lieues sous les mers. Ouais, je monte, je monte. Ne vous inquiétez pas. Ah. Ok, c'était pas là. Je vais redescendre au fond. La solution est peut-être dans le fond, j'ai pas fait gaffe. Sinon, après, j'ai vu de la lumière en haut à droite, donc on ira en haut à droite. Ouais, puisque je viens de la gauche.
Donc ce ne serait pas idiot que ce serait que ça soit un scrolling à droite. Ah bah oui. Je suis con en fait. Je me dis que si je fais ça. Voilà, c'était pas des spots. Bon, décidément, il y a toujours rien à gauche, hein. Voilà. Alors où ça pourrait... Donc c'est la porte là. Non, non, c'est moi, vous inquiétez pas. J'ai dû louper un... Ah bah non, c'est peut-être ça. Je pense que j'ai peut-être activé une manette pour ouvrir de l'autre côté ou... Ou je ne sais quoi. Ah non, c'est peut-être la fin de mon voyage en sous-marin. Ça a l'air dangereux. Je savais que ça avait l'air dangereux. J'ai vu que ça clignotait, donc je vais regarder si c'est pas une bombe. Non, je suis mort. Ce n'était pas une bombe. Alors
disons que je vais peut-être pouvoir passer par la porte ouverte. Ah ouais, c'était tout con en fait. Ok, c'est bien ce que je pensais. Je suis bête. Je pense qu'il fallait rester dessus. Ah, attendez, je suis désolé. Je vais faire la pause maintenant. Parce que j'ai juste un petit truc à faire avant. A tout de suite.
De retour. Alors, excusez-moi, je suis un peu soufflé. C'est parce que je me suis dépêché. Hop. Et on est de retour. D'accord. D'accord, il y avait un truc attrapé apparemment. Et hop. Je vais juste voir ce que c'est là. Si c'est la suite ou si c'est un bonus. Oh, c'est peut-être la suite ici. Ah, ok. Je viens de me faire voir, c'est pas grave. Ok, ça tombe, c'est la suite. Là, je vais remonter, je vais sortir du sous-marin, je vais activer le petit bouton et on verra ce que ça fait.
Je vais vérifier ce que je pense. Ah bah voilà. Ok. Et on plonge. Voilà. Ouais, j'ai des petites énigmes sympas. C'est une jeune fille ou un monstre? Ah d'accord. D'accord, bah en fait je vais pas l'embêter, je vais la laisser tranquille. D'accord. En fait, elle faut que j'ai toujours dans mon viseur, sinon elle m'attaque. Enfin, sinon elle me tue. Ah d'accord, faut pas que je l'emmène avec moi.
C'était une créature bizarre. Ah, enfin on est dehors. Attention. C'est pas parce qu'on est dehors qu'on est sauvé. Je pense que j'étais plus sauvé quand j'étais sous l'eau avec le sous-marin que dehors. Mais on ne sait jamais. Allez, pousse. J'arrive pas à ouvrir. J'aurais peut-être dû essayer plus longtemps d'ouvrir. J'ai pas l'impression que ce soit par là. Alors si c'était pas en haut, ça devait être tout en bas. Ouais non, si je descends, je pourrais peut-être pas remonter. On va aller voir à gauche. Et on va appuyer sur le bouton après. Petite énigme qui a l'air... Là, il y a une corde qui dépasse. Il y a un train. Enfin, un train. Un truc sur rail.
Si je fais ça, je pourrais plus remonter. Là, il y a des zombies, enfin des... Il y a des mecs. Il y a de l'eau. Oui, après je peux peut-être continuer, hein. J'étais peut-être pas obligé de... Là, on fait du Tarzan. Du Georges de la Jungle. On va bien voir. Ah, trop fort, je peux les contrôler. J'ai gardé le truc sur ma tête. C'est génial. J'ai une vraie interaction avec les zombies. Enfin les... Je crois que c'est ça qu'il faut faire. On va aller délivrer tout le monde et après on va aller chercher le gros truc, je pense. Et je vais me faire une armée. Oh là là, c'est tellement génial. Thank you.
Un poil. Un poil de... Allez, venez avec moi. Viens dès ma bande. Ah, c'était ça le 19. Il m'en faut 19. Je vais aller voir tout en bas. Je vais aller voir tout en bas pour essayer de bouger le gros bloc là sur les rails. Je ne sais pas si à quoi il sert. Donc on va aller voir ça. Puis après on les mettra sur le bouton. Peut-être le tirer. Ouais, je vais aller voir là-haut. Pousser, on peut pas, donc on va tirer. Je vais le mettre là.
Ah oui, d'accord. Bah, je pense qu'il faut que je fasse le... Ok, je vais le mettre là. Je pense qu'il faut que je fasse le gros bouton. Le gros bouton tout de suite. Ça va peut-être ouvrir la porte, je crois. Parce que j'avais cru voir une grande porte en fait à gauche. Il m'en manque 5. Il m'en manque 5. Comment je vais faire? Ça reste le chariot là, que je viens de faire. Qui je vais activer un truc et il va me ramener 5 personnes de plus. Donc c'est pas ça qui va activer ça. On va aller voir. Si je monte pas dessus. Ah, j'en ai libéré 3. Il doit en rester 2 quelque part. On va aller voir tout à droite. On ne sait jamais. Et sinon, sinon, je vais devoir refaire tout en ouvrant bien les yeux.
Ouais, non. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Je suis tout en bas, le truc il est au milieu, ça devait être tout en haut à droite alors. Là où j'avais vu la plateforme et que j'ai pas voulu, je m'étais dit que c'était la fin. Je pense que c'est pas la fin. Je pense au contraire que c'est là-bas qu'il y a les deux autres qui me manquent. Voir celui-là. En plus, ils me rattrapent, les mecs, ils sont trop forts. Allez, on est parti. Ça y est, on va activer le fameux bouton. Ah, j'ai perdu mon casque. Je croyais que j'allais prendre mon armée. Je suis un peu déçu. Ah oui, d'accord. En fait, il y a un truc qui tape et il faut pas que je me fasse avoir par l'onde de choc. Je sais pas ce que c'est, mais c'est violent.
sais pas où l'arrêter, ça. C'est ça le truc qui est chiant. J'ai vu. J'ai vu où je devais l'arrêter. J'ai vu. Il y avait peut-être une manette en haut que j'ai pas vue. Je fais comment là? J'aurais voulu avoir une autre manette pour le faire s'arrêter ici, au milieu. Non, ça va pas. Ah, mais oui. Je dois pas l'arrêter en fait. Un poil de seconde. Le timing. Ah ouais, j'étais pas caché. J'ai eu un doute. Franchement, j'ai eu un doute, mais...
J'ai cru que c'était une manette. Appuyer, hein, en fait, c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a viré. D'accord, je viens de saisir en fait. Désolé, hein, je viens de comprendre. En fait, j'étais plus sur les rails. Là, il m'arrive rien parce que je suis sur les rails. On attend. Et là, on peut y aller. Hop, on est de nouveau sur les rails. Ah, trop tôt. Trop tôt. Je l'ai vu après quand j'ai commencé à glisser. Non, il n'y a plus. C'était tendu, j'étais bien. C'était très bien. Petit truc qui fonctionne au timing là. En bas. En bas. Oula. Oh, l'ascenseur est pas de première jeunesse. Ah, il y avait des escaliers. Ah non, là il y en avait. Oh, aïe, 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 ça pue, ça pue, ça pue, j'aime. Même si ça freine, ça pue. Oh, non. C'était tendu. C'était très tendu. J'aime bien ce genre de petit passage. Ils aiment beaucoup l'eau. Ils aiment beaucoup l'eau ici.
Mais c'est pas ça que j'avais mis. De retour, attention. Attendez, je vais remettre ce que j'avais mis. Apparemment, ça m'a tout enlevé. J'avais mis quoi? Je ne sais plus ce que j'avais mis dans la description. Attendez, je vais hop, on va changer ça. On va remettre ça. Ça, c'est bon. C'est la description que je dois changer. Je sais plus ce que j'avais mis. Oh, zut. Qu'est-ce que je vais mettre alors? Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis aujourd'hui. Je ne sais même plus. Ah oui, j'avais oublié de... Mais ben non, j'avais cliqué sur mettre à jour les infos. Bref. Je vais faire ça. Voilà. Tac. Et tac. Bon. Ben on est reparti. Alors. Désolé pour ce petit problème. Mais on est reparti. En plus, on doit plus être très loin de la fin, je pense. Enfin, du moins, j'espère.
Apparemment, je peux pas mourir. Mais je pense que je vais me faire attaquer par la petite fille, voilà. Enfin, par la fille dans l'eau. Ah, et là je peux monter. Bon. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Ah, peut-être pour ça, en fait. J'ai vu qu'après le truc pour monter. Oui, j'ai pas vu que c'est parti, ça partait à gauche. Mais je pense qu'il faut pas que je le faut pas que je parte à gauche en fait. Faut que je clique sur le bouton à droite pour Attends, on va essayer, on verra bien. J'ai pas compris. L'a pas compris. Non, je vois pas comment. Si je fais ça, est-ce qu'elle poursuit la corde? Non, elle est là.
Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, peut-être que... D'accord, je crois... Si je touche un peu l'eau, elle me fonce dessus. Je crois que je vais tenter un truc. On verra bien. Donc maintenant elle est là. Et voilà, donc elle ne mourra jamais. Oui, c'est moi, j'ai un peu buté sur le sur l'énigme. Même si elle était toute simple. J'espère qu'on aura des réponses sur ce qu'elle est elle. Pourquoi il y a les personnes contrôlées mentalement et tout ça. Normalement, oui, mais. Elle est revenue. Elle nage trop vite. Je crois même qu'il fallait que je plonge. Ouais, je crois qu'il faut que je plonge. Attends. Voilà. Je vais la mettre ici. Non, en fait, faut que je clique, je laisse ouvert. Je pense. Ah non! Je remonte. Après, Ah oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Elle est là. Je clique, je remonte. Ouais, elle a pas d'amis sous l'eau, elle veut peut-être que je sois son ami, mais... Puis, il paraît que si on embrasse une sirène, on devient triton ou un truc comme ça, je crois. Triton étant le mâle sirène.
qu'on soit bien d'accord. Tu te transformes pas en... Non. Lâche-moi. Et voilà. Elle m'a tué. Et pourquoi elle a fait ça? Voilà, là c'est vachement sombre même pour moi. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. Sinon je peux vous décrire ce qui se passe. On est en train de tomber, on a juste une lumière sur le torse. Après tout ça, on est mort, noyé. Et mangé par des poissons. Bah maintenant on n'a même plus besoin de respirer sous l'eau. Comme ça c'est fait. Une contrainte de moins. Au début on était suivi par des poussins, maintenant on est suivi par des poissons. Non, faut pas aller vers la lumière. Ok, on va descendre. Oh! Ça c'est sauvage. Ça c'est sauvage. Je savais que ça allait se mettre en route, mais je savais pas quand, en fait.
Ah, ça y est, on est sorti de l'eau. Ouh! On faisait tellement rien à avancer comme ça, j'ai avancé et au moment où j'ai vu ça, je me suis dit soit il me tombe dessus, soit ça sert pour le jeu. Et effectivement, ça servait pour le jeu. Oui, mais c'est pas grave, il faut découvrir pour savoir ce qu'on. Wow, pour savoir ce qu'on doit faire. Ok, j'ai vu. Ah là, j'ai trop. Sorte de gourmandise ou une sorte de. J'ai ce problème-là aussi de temps en temps avec les butins dans les jeux. Un petit coffre, un petit truc et hop. Je me fais avoir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je suis bon là. Ah non, d'accord, oui, je vois, d'accord.
J'ai eu peur, hein. Franchement, quand j'ai vu le trou, je me suis dit ouh. Ouais, je sais pas si je vais réussir à viser le trou. Le bouton m'intrigue. Je sais qu'il sert à quelque chose, mais quoi? Fermer ça. Quel est l'intérêt à moins d'y retourner? Ça sert peut-être à remonter là, mais d'abord il faut que j'aille à gauche. Ouais, il faut que j'aille à gauche. Je dois aller sous l'eau en fait. Que dalle en fait. Que je revienne d'en bas ou que je...
Oui, des fois j'ai des. Des fois je me dis, bah zut, qu'est-ce qu'il faut faire? Et des fois, bam, d'un coup j'ai une fulgurance. En mode, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ou alors, et si je faisais ça? C'est énorme le truc à l'envers et tout. C'était cool. Par contre, il y a des gens qui sont. Comment on appelle ça? Pendu à l'envers. Ouais, je vais rester comme ça. J'ai cru que c'était un truc à ouvrir. C'est bizarre. L'ambiance là. J'aime bien, c'est c'était badant. Après, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui était à l'endroit? Qu'est-ce qui était à l'envers? Est-ce que je suis à l'envers depuis tout le début du jeu? Là-bas, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a dans la porte? J'ai été à gauche alors que. Ouais, bah voilà. Si je peux pousser une caisse, c'est que j'ai besoin de la caisse. Il m'a vu. D'accord, ouais. J'aurais dû attendre qu'il prenne la caisse, qu'il reparte en fait.
Pourquoi j'ai eu besoin de la caisse? Ah oui. C'est pas ça que j'avais vu hein, du début. Je croyais qu'il fallait faire tomber le gros truc, machin. En fait, non. Ouais, j'ai conscience que c'est peut-être pas ici qu'il faut que je le mette. C'était pas là, fallait que je le mette, c'était sur ça. C'était sur ça. Je me mets de ça, hop, hop, et après je peux sauter au-dessus. Et hop. Astucieux, n'est-ce pas? Je pensais que c'était une mine. Non, je peux pas le déplacer. D'en bas. D'accord. Mais comment je peux? Qu'est-ce que je dois faire? Faut que je baisse l'eau pour pouvoir appuyer sur le bouton.
C'est pas ça que je voulais faire. Mais venez, mes amis. Attends, j'ai plus besoin du casque mental pour les contrôler? C'est énorme. Je suis devenu beaucoup plus puissant. J'y arrive pas. Ah! Ben non. Je me disais que si je refais descendre. Oh ben non, j'ai jeté la barre. Comment je peux faire? Les aider? Non, on peut pas les aider. D'accord. Et là, je l'utilise ici, en haut des escaliers. Et ils m'ont rattrapé, d'accord. Allez, venez ma bande. Venez mon armée, allez. Il est temps de se rebiffer. C'est la révolution. On va aller bouter les méchants. A plus dans le bus. Bon. Effectivement, j'ai peut-être fait. Peut-être merdé, non? Oh, bah, tu vois. Merci, les gars. Et je viens vous ouvrir. Non, carrément, je viens vous chercher. Ah. Mes copains, ils sont là. Ah, bah non. Si, là. C'est bon, on a oublié personne? Non? Michel? Non, c'est bon. Michel, il est là. Allez, on est parti.
Pam, 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 pam. Oui, c'est musique d'ascenseur. Allez, méga sûr. On enlève. Là-bas, il y a des mecs qui courent. Non, je vais abandonner mes potes. Mes copains. Mes gars. Mon armée. Je suis déçu. Grave déçu. Mais... Tu. Ça, c'est des ordi, ça. Font pas semblant. Il y a pas le mec qui court. Ouais, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce que je peux piquer ça? Ah oui. Petit veut regarder ce qui se passe. Alors, il décide d'aller là-bas, pas au-dessus. Eh oui, trop pressé. Je suis mort. Ah oui, il fallait sauter sur l'échelle. Mais qu'est-ce qu'ils regardent tous comme ça?
Excusez-moi, je dois faire une petite pause. Je reviens très vite. Tout de suite. Désolé, voilà. Excusez-moi, je devais faire une petite pause, enfin quelques secondes quoi, une petite minute. Alors, on va repartir. Voilà. Je pense qu'on est sur la fin. Excusez-moi encore pour la petite pause. Ah oui, donc en haut, je pouvais vous parler en fait. En haut, ce que j'ai découvert, c'est que si on avait toutes les boules, tous les 14 trucs qu'il fallait. Parce que j'ai vu sur le mur du fond, il y en avait que deux allumés et j'en ai que deux. Si tu les as tous, je pense que la porte s'ouvre, ou on peut ouvrir la porte, et tu dois récupérer un truc dans le. Mais je ne sais pas quoi. Par contre. D'accord. Donc j'avais raison, c'était bien de l'arrière-plan. Il faut que je saute. Allez, normalement on est à la fin, vu que tout le monde y regardait dans un truc, je ne sais quoi. Je pense que c'est ça, on va y aller.
Non, j'ai plus rien activé. Je pense que j'ai. Ah non, j'arrive pas à aller dedans. Je pense que j'ai merdé quelque part. Ah voilà. Il me faut de la vitesse. Alors, je me suis retrouvé tout nu. Et je suis mort. Ah non. Je peux nager avec tous les trucs bizarres. Bon là, on est devenu carrément un truc dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Ah bah, on va prendre mes copains. Là, ils vont me suivre vu que je suis dedans. Attends, est-ce que je peux les... Je peux les manger? Non. Bon, c'est pas grave. Thank you.
c'est horrible. J'ai pas de mots pour. Ah si, j'ai un mot puisque c'est horrible. Mais je ne sais clairement pas ce que c'est. Un amas de plusieurs personnes. Avec moi qui suis dedans. On dirait un jeu que mon pote Dark Mist aime beaucoup. We Love Katamari, un truc comme ça. Où ton but c'est t'es une petite boule et tu dois prendre des formes, des machins. We Love Katamari, donc tu commences tout petit, tu prends des poteaux, des gens, des. Des bancs, des trucs et tout ça, et après plus tu grossis, plus tu. Ouais, donc plus tu deviens gros et puis plus tu prends des immeubles, des montagnes, des trucs. Puis après tu deviens une planète, puis après tu dois prendre d'autres lunes, d'autres planètes. C'est pas un truc que je kiffais, mais bon. Mais mon pote aime beaucoup. Alors, non, j'essayais de tirer la porte, des machins, tout ça, mais apparemment. Ma caisse doit activer quelque chose d'autre.
Je vois pas. Je suis désolé, là, je vois pas. Attendez. Peut-être que si je le pousse, non? Excusez-moi, je suis sûr que j'ai un truc à faire, mais j'ai pas. Ah, là-haut. Non, si c'est ça, mais j'arrive pas à rentrer. Non, il y a un truc que je fais mal. Ce serait foutre mes caisses dans le feu? Sûrement. Pas mal le petit côté, petite énigme machin, où fallait mettre le feu. J'aime bien. J'ai pas tout compris au début, je croyais que vu comment c'était un truc hideux machin qui voulait. Il était conscient et qui voulait suicider, mais en fait non.
On s'évade. Laissez-nous vivre. C'est vous qui nous avez créés. Par contre, c'est dégueulasse, hein. Je le dis clairement. Je pense que je suis pas le seul à le penser. C'est horrible, hein. Oui, c'est vrai, je dis pas fait comme nous, machin, faut pas juger. Je juge, c'est dégueulasse. Oui, on fait de la roulade. J'ai l'impression que c'est terminé. Juste être dehors. Ouais, j'appuie sur des boutons, hein, mais ça fait rien. Je croyais qu'il, je sais pas, à force d'appuyer, il se relève ou. Ah bah voilà. Terminé, messieurs, dames. Après, il y a peut-être un message, une métaphore ou un machin, mais moi, ça m'est passé au-dessus. Hein. Pour moi, c'était juste, je sais pas. Je sais pas, en fait. Tu commences, t'es un gamin, tu te fais poursuivre par des mecs, tu sais pas qui ils sont, ni tu les connais pas, ni David Adam. Tu peux contrôler y a des mecs qui sont en forme de zombies, je sais pas trop quoi. Il y a la fille dans l'eau aussi. Non. Non, non, non. Là-dessus, tant de réponses, tant de mystères. Ce petit garçon qui je sais pas, qui libère, qui veut libérer. Qui libère ça et en même temps il se fait aspirer de ça dans ça et c'est tellement je sais pas bon jeu mais troublant. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Sur ce, je vous dis bah, merci à vous d'avoir regardé. Excusez-moi, hein, j'ai commencé à bâiller. Donc, merci à vous d'avoir regardé. J'ai envie de dire. On se voit la prochaine fois pour un prochain live sur un prochain jeu. Voilà. Et bien sur ce. À ciao les amis.